Pauvre loulou, elle aurait mérité d'aller au final. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ce loulou, elle est trop nulle, elle est trop moche, et c'est une fille. C'est quand même sexiste ce que tu viens dire. M'en bats ! Parce que franchement, j'aurais préféré toi à moi que loulou. Je te rappelle quand même que j'ai un compte à régler avec toi. Comme ça, je pourrais montrer à Mickey de quel bois je me chauffe quand il s'agit de toi. Tu as peut-être gagné le dernier défi, mais sauf que maintenant, tu es contre moi maintenant. Ouais, mais alors, tu as remarqué que j'ai fait le défi à la loyale? Tu parles! Tu as balancé le téléphone sur moi! Tu sais, il n'y a pas de règles dans le code des défis extrêmes! Autant pour dire que tu es mal barré pour avoir les 4 millions et surtout être le vainqueur! Tu peux toujours rêver, hein. Tu as peut-être gagné le défi en trichant, mais sauf que cette fois, tu risques d'avoir le karma. Ah, dans tes rêves, jusqu'ici, j'ai toujours du karma, mais c'est pas cette fois. Et prépare-toi à t'entraîner, hein, si tu peux, parce que je vais te poignarder dans une pâte à modeler. Oh, si seulement Zelda aurait été là, et Moustillon, et même Mayona. Sans oublier Kling, mais petit bon, il n'a pas vraiment servi à quelque chose. J'aime pas qu'on vexe, que je vexe quelqu'un, mais voilà. Je voulais toujours faire ça, enfant. J'y pense que maintenant. Vous me demandez où je voulais y aller. Mon rêve va se réaliser. C'est le camp des défis extrêmes. Je me rapproche du firmament. Je fais mes bagages, je suis déjà gagnant. Tout approuvé et rien pour m'arrêter. J'ai déjà gagné. C'est le camp des défis extrêmes. Na la na la na la. I wanna be famous. I wanna be famous. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas vu quand même? Oui, je sais. Oh, le panthère rose est arrivé en finale! Non! Non, c'est pas possible! Si panthère rose était en finale et qu'il gagne, j'aimerais pas imaginer. Il a accumulé des pouvoirs vraiment étranges. Il a surtout copié surtout ceux de Grand Schtroumpf. Eh ben, de plus, Grand Schtroumpf, je me souviens, il a une hyper compétence. Ça s'appelle Ultimate Psycho. Si on utilise Ultimate Psycho, ça fait vraiment pire que mal. C'est vraiment la capacité la plus puissante de tous les Pokémon psy que j'ai jamais vu. Oh non! Cette fois-ci-là, c'est la cata! Chop! Fais quelque chose! Je t'en prie! Mais surtout, bats Panthère Rose une bonne fois pour toutes! Vous semblez content, maître! Parce que Panthère Rose est arrivé en finale! Et en plus de cela, il a eu des copies de beaucoup des participants qui ont perdu, même ceux de Grand Schtroumpf. Ceux de Grand Schtroumpf, c'est assez particulier. Mais en plus de cela, grâce à ça, ils ont pu aspirer dans ce cas tous les pouvoirs pour les donner à Panthère Rose. Et comme ça, Chop se fera non seulement détruire une bonne fois pour toutes. Vois-tu, Mimiki, c'est ça l'art d'un méchant. Il faut savoir voler les pouvoirs des autres et d'en faire ne serait-ce qu'une quantité illimitée de pouvoirs. Je n'ai jamais eu ce genre de choses, mais je suis sûr que ce serait le véritable chaos qu'il pourrait faire. Il pourrait s'en servir ne serait-ce pour conquérir le monde. C'est ça qu'il faut. Il faut conquérir le monde dans ce cas, ne serait-ce qu'en volant des pouvoirs des autres. Il faudrait voir si jamais il va peut-être gagner. S'il gagne là par contre, je me souviens qu'il ne s'était pas intéressé à l'argent. S'il n'en veut pas qu'il me le donne à moi, comme ça je pourrais dominer le monde en un instant. Oh, je vais gagner, Qu'est-ce que tu fais ici, maître Rikiki? Ouais, t'es
Messieurs et messieurs, parce qu'il n'y a pas de filles. Voici le grand présentateur de tous les temps. Voire même celui qui va désigner qui aura les 4 millions d'euros. Doug Dodger. Wow! Quelle entrée en scène tout pourrie! Tais-toi. Bienvenue, messieurs. Vous avez réussi à atteindre jusqu'au bout. Maintenant, mais malheureusement, l'un d'entre vous va devoir s'arrêter ici pour eux et qui va devoir attendre une prochaine chance pour avoir une nouvelle émission que je vais envisager d'en faire. Bref, Chub Panthérose, félicitations d'être arrivé jusqu'ici. En tout cas, voir toi, Chub, pour la deuxième fois en étant en finale, et que tu as perdu dans l'Odyssée des DPS Trèves. Franchement, je te dis bravo d'être venu ici. Et toi, Panthérose, même si tout le monde te calcule mal, bah, franchement, c'est le cas de le dire parce que tu es arrivé en finale. Bien sûr! Je suis trop fort, moi, LOL! Mais, il y aura un mais. L'un d'entre vous sera humilié et l'un d'entre vous aura 4 millions d'euros. Mais avant de passer au final, j'aimerais vous faire poser une question sur en quoi est-ce que vous mériterez les 4 millions. Chup, si ça aurait été toi qui aurais gagné, je t'écoute, qu'est-ce que tu vas en faire avec l'argent? J'aimerais faire ce que Zelda a fait exactement dans l'audité des TP Extreme. Je vais les partager à tout le monde, y compris pour Grand Schtroumpf, pour qu'il puisse réaliser ses rêves. Tellement gnangnang. Et toi, Panthérose? L'argent m'intéresse pas. Mais si c'est le cas, puisqu'on a juste commandé de me donner, je vais donner plus à Mickey pour prouver que je suis pas si méprisable que ça. À ce point? Ouais. Mais moi, mon véritable intérêt d'être dans l'émission, c'est 2 millions pour faire pour ce crétin de Chop! Juste pour ça? Ouais! Et prouver que je suis gros un winner! C'est ce que je vois. Bref! Tout ça pour dire que. Il y aura une vote! Comme dans l'Odyssée des DPSM? Non! Quoi? Ouais, parce que la dernière fois, il n'y a pas de commentateur, mais peut-être que les candidats pourraient voter? Non plus! Quoi? Parce que ce défi-là est bien plus inspiré de défi extrême retour à Lille. Sauf qu'il n'y a pas de mutant, quoi que ça d'autre. Oh, ça me rassure. Dans ce cas, venez avec moi vers le Colisée de The Dodger. Allez, dépêchez-vous, bande de feignasses. Non, mais c'est lui avec son poing. T'es vraiment un rabat-joie, Panthérose. Bref, ce colisée-là, c'est comme une tapis. Mais sauf que j'ai employé des règles très différentes. Panthérose, tu seras dans la gauche. Oh! Jump, tu seras dans la droite. Ok. Laissez Bob vous expliquer les règles. Il s'agit pas du combat quoi que ça d'autre, classique, quoi que ça d'autre, non. Il s'agit du combat de faire sortir du ring. Ce qui donne le fait que si vous réussissez à faire sortir une ring, l'autre candidat aura 4 millions d'euros. Ah, une épreuve très classique. Donc ça va être une sorte de sumo ou quoi que ça d'autre? Non, une épreuve bien plus dangereuse. Parce que, sur le coup, je vous autorise d'utiliser votre capacité. Quoi? C'est sérieusement? Ouais, exactement. C'est pas pour rien que ça s'appelle les règles. Enfin, s'il n'y a pas de capacité, c'est pas marrant. Ok, mais encore pourrait nous servir notre capacité. Les capacités, ça sert pour donner des dégâts. Ah bah non, parce que votre but de capacité, c'est de le faire sortir. Vous devez trouver un moyen de le faire sortir. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser avec votre... Enfin bref, tout ce que j'essaie de dire, c'est que dans cette épreuve, il n'y a pas de règles. C'est cool à savoir. Vous pouvez donner un coup de pied dans les couilles. Ensuite, vous pouvez étrangler, à tirer les cheveux, sans oublier, attraper la queue. Non, la queue, vous savez, la queue, vous voyez ça? Ah, tu m'as fait peur. Peut-être que ça aussi, ce serait envisageable. Quoi? Bref, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est
de lutte pour faire sortir un candidat et qui sera le gagnant. Et pour cela, je serai le présentateur, je désignerai le vainqueur et Maître Rikiki sera l'arbitre. Ouais, exactement. Alors, je déclare le combat ouverte. Ok. Cette fois-ci, je te ferai pas de cadeau. Mais d'abord, je vais juste utiliser bouclier lumineux. Facile. Je passe mon tour. Toi? Ouais, je passe mon tour. D'accord. Pour voir si tu es capable de me faire mal. Ok. Tu en es sûr? Ouais. C'est toi qui as voulu. Luminosphère. Watch out. Quoi? Ah! Bon, non, continue. Bon, l'âme lumineuse! Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne ressens pas le moindre dégât? Non! Tout ce que je ressens, c'est. Rien! C'est bizarre! Avant, tu étais faible, mais comment ça se fait? Je peux pas te le dire parce que c'est vraiment trop facile! Bon, tu fais quand pour t'attaquer? Très bien! Psycho! Quoi? Mais c'est pas ton attaque habituelle! Hydroblast! Mais comment tu fais pour mettre toutes ces attaques? Papa te le dire! Marque ton poing! Allez, fais pas ton nunuche! Mais attends, c'est l'attaque de Zelda! Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, je vais devoir utiliser l'attaque Coquillon! Attends, quoi? Chop! Fais pas ton poule mouillé! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est n'importe quoi! Tu peux pas avoir 4 capacités! Tu peux pas avoir 5 capacités! Quoi? Tu as pas entendu ce que dit Tonton Jones? Pas de règles! C'est pas croyable! Ok, tu veux pas de cadeau? Très bien, parfait. Luminosphère, deux fois. Quoi? Tu peux faire mieux que ça, Chop? Alors, il est où ton côté badass que tu avais? C'est incroyable. C'est pas croyable. Quand j'ai battu Panthérose, il était si faible. Maintenant, il est devenu fort. Panthérose. Maintenant, règle-lui le compte de ce crétin de Chop. À condition si tu annules tout ce que tu fais. Où est-ce que tu veux en venir? Ouais, je vais dire la 4 vérités à Chop. Hey, non, t'as pas intérêt à dire ça. Ouais, je vais te le dire, mon Chop. Même si je te le dis la vérité, tu peux pas changer les choses. En fait, Dr. Jones m'a donné le pouvoir de tous les candidats, y compris que je trouve. Que quoi? Ouais, exactement. Panthéose, espèce de crétin sans cervelle, t'es pas censé réveiller le plan. Oh, ça suffit, Panthéose, t'es vraiment un double crétin. Le but, c'est de rester incognito. Toi, tu fais tout le contraire. Oui, mais maintenant que je suis plus fort, ça sert à rien de garder le secret. Hein, c'est ce que Broly le fait. Non. Oh, enfin, qu'importe. Toi, Maître Rikiki, je n'ai plus besoin de toi. Psycho. Ouais. Tu vois, mais qu'est-ce que... Hey, attends une minute, je pèse 299 kg, pourquoi je me lève? C'est grâce à toute la puissance que j'ai bu, que j'ai tout volé grâce à Dr. Jones. Alors, sayonara, Maître Rikiki. Dr. Jones, espèce de crétin, toi et de... Maître Rikiki, il s'est envolé. Panthéose, t'es vraiment le pire des crétins. Pour la peine, je vais t'envoyer la vidéo humiliant. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Toi, je vais t'envoyer dans une gâteau. Non, pas. Bon, bah tant pis, j'aurais au moins essayé. Alors, tu as tout fait pour tricher? J'aurais dû m'en douter. Mais sauf que ça ne se produira pas. T'as pas gagné, t'as triché, t'as perdu. Quoi? C'est non, j'ai pas perdu. Parce que le jeu ne fait que commencer. Bon. Mais pour cela, je vais devoir utiliser l'attaque. Bon, ben...
réfléchir. Marteau bois. Flamme quoi? Oh, mon marteau bois. Qui est le crétin qui a osé faire ça? Hein? Franklin, d'où tu sors? C'est le pain. Désolé. Ah ouais, quand même. C'est le pain. D'où est-ce que vous sortez? C'est pas Franklin. J'arrive jusqu'à temps. Attends, Panthérose est en finale? Ouais! Et vous avez osé m'interrompre! Qu'est-ce qui se passe? Pour tout expliquer, Panthérose a volé tous les pouvoirs de chaque candidat, y compris quand je trouve. Que quoi? Oh non, c'est vraiment mauvais signe. Pourquoi? Il a l'attaque dangereuse. Quelle attaque dangereuse? Ultimate Psycho. Ultimate Psycho? Oh ouais! Je vais pouvoir détruire Chop! Sauf que c'est un peu trop violence. Détruire, ce serait impossible. Mais je vais juste mettre Chop KO! Comme ça, je pourrais se faire sortir du ring! Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer c'est quoi ce bordel avec ces jeux? En fait, c'est juste histoire que le fait qu'on doit juste nous faire sortir du ring en les disant avec des capacités? C'est bizarre. Non! Ça n'est pas! Mais alors? Ça veut dire que... Ouais! Je me suis débarrassé de mettre Rikiki vu qu'il ne sert à rien! Et Total Jazz, je l'ai volatilisé! Tu es au courant que si tu fais du mal à Data Jazz ou que tu perds, Non, panique! De toute façon, il ne fera pas! Parce que je suis trop fort! Oh, ça se dit, j'en ai plus cassé, hein. Déjà que Data Jazz essaie de tout faire pour faire du mal à Grand Schtroumpf, et en plus de ça, avec l'île des héros, l'île de Data Jazz... Attends, où est-ce que... Quoi, attends, Grand Schtroumpf est toujours là? Il a kidnappé. Ah oui, c'est logique, vu qu'il avait... Ça expliquait pourquoi Grand Schtroumpf. Je croyais qu'il était parti à l'île des héros. Todd Jones l'a capturé. Quoi? Mais pourquoi? Apparemment, il veut le Maremaker. À ce point, mais je pensais qu'il s'en foutait. Je voudrais faire beaucoup plus d'argent. Ah bah c'est bien ce que je m'en doutais, hein. Mais qu'importe! Vous pouvez pas me battre contre moi! On parie? Éclair croix! Flamme croix! Et alors? Et alors quoi? Hein? Quoi? Bande de crottins sans cervelle! Tellement j'ai volé tous les pouvoirs des autres que mes capacités sont bouquées, sont carrément indestructibles! Ah, c'est pas possible, ça veut dire que Panthérose est vraiment imbattable! Je ne renonce pas! Quoi? Hein? Je ne renonce pas! Il a peut-être volé tous les pouvoirs du candidat, mais ça c'est un truc que je ne pardonnerai jamais. Donc, Franklin, Simba, j'ai besoin de vous pour ce coup. J'ai besoin de vous. Tu es vraiment sûr de toi? Sûr de moi! Il doit y avoir un point faible. Tu peux toujours compter sur moi. Moi, nous, on est là juste pour sauver les lits des héros. Hors de question à ce que Pantero gagne. Dans ce cas, je vais vous faire sourire! Vous avez peut-être beaucoup de capacités spéciales de flamme croix et éclair croix, mais vous pourrez pas me battre contre moi comme vous l'avez vu remarquer. En combinant nos forces, on pourrait te battre. Ok. Franklin, t'es prêt? Ouais. Si bas. Électacle! Lance-flamme! Ça fait un lance-flamme électacle! Oh non, Franklin, Simba! Oh! Peut-être que les capacités, c'est pas si utile que ça! J'ai mes propres forces! Et en plus, j'ai mes muscles! Alors, comme ça, vu que vous avez osé m'attaquer, c'est contre vous deux que je vais m'occuper de votre cas, bande de crottins! Hydroblast! Esquive! Hydroblast deux fois! Hey, t'as triché! Tu as utilisé Hydroblast, tu dois recharger! Moi pas! Parce que j'ai tellement de puissance que recharger est complètement illimité! Et quant à toi, c'est pas... Tu as osé coopérer avec Franklin! Dans ce cas, je vais te donner une double vigile! Psh-ow!
jamais eu de force aussi, ce qui fait mal que ça. À la limite, c'est de le bien comprendre, mais un type normal. Normal? Tu dis que je suis normal? Alors très bien, ultra laser, roule! C'est pas... Non. Non, c'est pas Franklin. Bande de crottins sans cerveau. Vous pouvez rien faire contre moi. C'est pas possible. Cette fois, tu vas le regretter. Puisqu'on parle de règles qui n'existent pas, en tant qu'à profiter. Qu'est-ce que tu fais? Song Day, Panthéron. Je déconne. Quoi? J'ai tellement de pouvoir que je peux flotter. Là, ça devient vraiment n'importe quoi. Ta gueule, espèce de lion débile qui fait l'amour avec un fuck totalement moche. Je t'interdis de dire du mal de ma copine. Non, c'est pas. Ne fais pas ça. Nectar, c'est pas. C'est pas. Comptez, tu vas comprendre. Je suis indestructible. Oh, c'est pas. Désolé, mais là, je suis KO. Non, c'est pas. Non. Maintenant, je vais te voler ton pouvoir. Inspire au pouvoir. De quoi? Eh ouais! Même Dr. John m'a appris une capacité très spéciale! Hé, hey, Franklin! Tu es prêt à subir les techs? Maintenant, éclaire-toi! Oh, non! Je refuse d'abandonner! Moi non plus, je refuse d'abandonner! Mais il doit y avoir un point faible! Jab, on n'a qu'à essayer. Utilise luminosphère, on peut utiliser avec flamme à croix. Tu es sûr c'est une bonne idée? On peut toujours essayer. Ok, luminosphère. Flamme à croix. Vous croyez que ça manque? Ces attaques pourront le faire pour moi? Je peux le faire. Pleine puissance. Franklin, utilise ta tête. Pas ta tête contre le pouvoir. Oui, d'accord. J'arrive pas à tenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore l'unosphère. Flamme froid. Luminosphère. Flamme froid. Luminosphère. Luminosphère. Flamme froid. J'arrive pas à tenir! Luminosphère, flamme froid, luminosphère, flamme froid, luminosphère, flamme froid, luminosphère, flamme froid! Là, je peux plus. Moi non plus. Dans tes dents, Panthérose! On a réussi! On a réussi! Top là! J'aurais jamais pensé qu'un gars comme toi aurait beaucoup plus de puissance. Pareil pour toi. N'empêche que j'ai un cœur de magma. Un cœur de magma? Ça, c'est une autre histoire. Ce sera long à t'expliquer. Panthérose, t'as perdu. Non! Non, c'est pas possible! Comment est-ce que vous pouvez être aussi stupide? Inspire au pouvoir! Non! Hé, c'était même pas KO. C'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Hydroblast. Oh. Non, Franklin. Maintenant, je suis beaucoup plus puissant. Qu'est-ce que t'as à me dire? J'ai quand même un peu commencé à avoir mal. Après les dégâts qu'on t'a fait infliger. Non, parce que j'ai comme l'impression que je risque d'avoir mal au ventre. Non. Chop. Ne dis pas que tu vas pas renoncer. Il est trop puissant. Il faut que tu abandonnes. À vous. Même nous, on n'a pas réussi à le battre. Oh,
Qu'est-ce que tu as fait manger? J'ai rien mangé, pourquoi? Pourtant, pourquoi j'ai mal au ventre? Oh. Mais oui! Hé, hey, Panthéro! Tu es peut-être fort, mais est-ce que tu es 100% fort? Bah ouais, pourquoi? Tu as peut-être volé les pouvoirs de tous les candidats, mais tu n'as pas volé moi! Quoi? Chuck, qu'est-ce que tu fais? Essaie de voler mon pouvoir, comme ça tu serais encore plus puissant et Mickey te respectera ainsi. C'est vrai! C'est vrai! Pourquoi j'ai pas pensé avant? J'aurais jamais pensé que toi tu serais aussi bête que ça! Inspire au pouvoir! Chuck, qu'est-ce qui te prend de faire ça? Oh, t'es complètement fou! Pourquoi tu rigoles, hein? Rien de spécial. C'est comme manger quelque chose ou bien encore de gonfler comme un ballon. À force de consommer, tu finis par t'exploser. Ça c'est pour quand je trouve coup de pied dans les couilles. Waouh! Tu as tenté des risques pour ça? Alors franchement, tu m'épates. Chop, est-ce que ça va? Ouais. Je suis quand même content. Je suis pas content parce que le fait que j'ai gagné. Mais je peux dire que grâce à mon pouvoir, Franklin est si bas, on a pu réussir à battre Panthérose. Ouais, mais quand même, si bas, il n'a pas été au top. Pardon, désolé. Ah, oh, vous avez triché! Non! Je vais vous le venger! Attaque Hydroblast! Hydroblast! Qu'est-ce que ça veut dire? Où est mon pouvoir? Non! Eh ben moi, je vais te dire un truc. Voilà, me croire! Pourquoi ça ne marche pas toujours? Peut-être que le pouvoir de Panthérose est explosé, mais ça ne veut pas dire qu'on a récupéré nos pouvoirs. Maintenant tu le dis, c'est vraiment pas de bol. Oh, ça fait mal. Mais pourquoi vous êtes... C'est pas Franklin? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas censé être dans le camp des défis extrêmes. Panthérose, réglez le compte à Chop. Bah, j'ai perdu. Oh oh. Comment ça t'as perdu? T'es censé gagner. À cause de surcharge. Mais non, on va faire un revanche! Non, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible! D'accord, on va te faire un revanche! Chop, back contre Panthérose! Oh. Solon! Waouh! Non! C'est pas comme ça que tu devais gagner! On est censé. Panthérose est censé gagner! Toi, t'es censé perdre! Et bah maintenant, ce n'est même plus le cas! Maintenant, rends-nous grand schtroumpf! Attends, mais qu'est-ce que vous faites ici? Bah de base, on est voulu accompagner Mayona pour battre contre Maître Rikiki. Maintenant que j'y pense, il est où Maître Rikiki? À cause de ce crétin, il a envoyé vers un autre pays. Ah, c'est pas possible. Ah, pour la peine, je vais prendre mon téléphone et j'envoie la vidéo directe sur YouTube. Oh? Ah bon? Ouais. Voilà, la vidéo est en ligne. T'es fier de toi? Oh putain, il n'en manquait plus que ça. Mais enfin, bref. Mais tu as quand même perdu les pouvoirs, Chop. Il est grand temps que je règle ton compte une bonne fois pour toutes. Ça m'étonnerait. Quoi? Oh mon dieu! Des candidats éliminés! Ça vous, je me rappelle pas d'où vous avez mis. C'est pourtant évident! C'est grâce à moi que j'ai désactivé l'alarme! Il m'a fallu un tas de plans, mais on a réussi! Ouais, je suis venu ici parce que de base je devais être candidat! Oh ça va, c'est pas la peine de répéter non plus. Cette fois, t'es fini, Tata Chers! Ouais! Comment vous avez fait pour y arriver? C'est pas Franklin! Vous êtes. Non, comment vous avez fait? Vous devez être les crochets en vert! C'est toi qui as désactivé les alarmes? Bah, puisque je te le dis, oui. Et tout ça grâce à mon plan! Je savais que dès le début que t'allais faire un truc tordu! Et là, cette fois, tu as dépassé les bornes! Ouais! Ça, c'est franchement pas cool du tout! Franchement, tu es franchement quelqu'un de monstrueux! Ouais! Ça, c'est abusé! Trop abusé. Me servir de moi pour faire éliminer, d'accord? Mais juste histoire de détruire ma réputation, c'est pas cool. Tu mériterais un millier de coups de pied dans les couilles et une amende. Franchement,
Eh, franchement, Tata Jazz, t'es nul. Ouais, franchement. Tata Jazz, t'es vraiment sexiste. Ouais, pourquoi? Ouais, sucre. Tu as osé voler les mains, capacité de talent. Non, mais tu te fous de ma gueule. Panthéon, il a perdu. Ouais, je crois. Ah, d'accord. Tu es vilain parce que t'aimes pas le sanglier. Hein, toi, j'aurais dû m'afficher que c'est toi depuis le début, mais pas Loulou, espèce de monstre. Ouais, exactement, sale favoritisme. Ouais, c'est toi, tu es bloqué. Très bloqué. Oh, non, c'est impossible. C'est impossible. Comment ça se fait? La cabine éliminée devait être fermée. Eh ben non, c'est même pas le cas. Et en plus d'avoir osé voler mes pouvoirs, c'est vraiment abusé. Attends, mais comment ça se fait? Tu n'as même pas de capacité. Hein, c'est pourtant évident. Dès que j'ai su que je serais éliminé, j'ai remplacé ma poupée de Mayona par toi. Mais attends une minute, ça n'a pas de sens. Pourtant, il a de même personnalité. Ce serait trop long à t'expliquer en fait. Mais enfin, qu'importe. Vous avez peut-être réussi à dévoiler mon secret. Mais il est où, Finn? Vive the Dodgers. Vive the Dodgers. Ah oui, parfait. Finn, débarrasse de... Vive the Dodgers. Pas aussi vite. Oh non. Est-ce que quelqu'un vient de faire un interloop à mon émission? Ce serait toi de Dodgers par hasard? Non. Oh, Dodgers, ce que tu as fait est tout simplement inacceptable. Que tu fous la gueule des spectateurs, d'accord. Que tu fais ton favoritisme, ok. Mais de là de servir de grands schtroumpfs pour martyriser et de raser les héros, non mais t'es pas bien dans la tête. Vive Dodgers. Oh, c'est pas vrai. Il ne manquait plus que ça. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je faisais? Dr. Jones t'a manipulé pour faire du mal à Grand Strouf. Quoi? Mais... Oh non, j'espère que... Non, t'inquiète pas, mon fils. Tu resteras un bon garçon. Et à ce que je vois, tu as même volé toutes les capacités de tous les candidats. Je vais aussi rétablir. Lame lumineuse. Lance-flamme. Super! Tonnerre. Super! Non! Non, t'es vraiment un double crétin, Jenny. Oh, moi, crétin? Parce que toi, tu t'es pas regardé, peut-être? Tu sais, le camp des défis extrêmes n'est pas censé être que de la torture, ce que Louis Mercier le faisait. C'est aussi une participation de développement entre chaque personnage, de la connectivité de chaque équipe, des moments tristes, des moments joyeux, des moments de colère. C'est aussi une partage d'expérience envers tous les candidats qu'on connaît et qu'on s'apprend à se connaître et qu'on s'apprend à partager, à les aider. Mais de là de servir le camp des défis extrêmes, juste histoire pour trahir tout le monde, pour faire un tas de drama comme le fait ce crétin de Louis Mercier, ça franchement c'est abusé toi, t'es franchement n'importe quoi, mais là ça passe encore, mais de là de martyriser un personnage et aussi de raser l'idée héros, franchement t'es franchement stupide. Et qui te l'a osé dire ça, hein? Oh. Assistant, t'es qu'un sale traître. Ouais, parce que tu sais quoi, je commence à en avoir ras-le-bol. Tu n'arrêtes pas tout le temps de maltraiter tous les candidats. T'es sexiste, t'es égoïste, tu penses qu'à l'argent comme n'importe quel youtubeur toxique. Donc franchement, j'en ai ras-le-bol. Ouais, exactement. Et en plus, j'ai peut-être pas de bonne en cuisine, mais je suis sympa, moi. Non, c'est pas possible. Dr. Charles, pour avoir osé de faire du mal à tous les candidats, y compris à notre cher grand schtroumpf, je vais te mettre dans une cage. Non, 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 lâche-moi. Mais il est où? Bah, il est chez moi, dans une cage. Ouh. En tout cas, Riri, je te dis merci beaucoup de m'avoir prévenu. Je jouais à la Nintendo Switch, à Mario Kart, à Pokémon... Et j'étais franchement distrait de l'émission. Comme quoi, je pensais pas qu'on intéressait à l'émission. Bref, Riri, tu m'as aidé. Franchement, je te dis merci beaucoup. Ainsi que toi, Sam. Je te dois une très fière chandelle. Surtout pour toi, fille de Riri. Tu as été franchement un brave garçon. Et malheureusement, tu as été franchement maltraité. Ça, je m'excuse particulièrement. Ainsi qu'à tous les candidats, que ce soit Yann, Barley, Ryoshi,
Harold, DJ, Bobix, Carlo, sans oublier Brigitte, Simon, Douty, Bobby, Ludo, Michael, Loulou, Marisson, Luffy, Boustillon, Grand Schtroumpf, surtout pour Grand Schtroumpf, Zelda et Mayona. Mais vous autres, moi je suis censé être dans le camp des défis extrêmes. Alors c'est encore plus grave. Et toi aussi, mon très cher Finn. Et ainsi que toi, Simba et Franklin, toute la partie de l'île des héros. Mais pas pour toi, Pantero. Toi, tu es un salaud. En parlant Pantero, je vais lui donner une coupe pied dans les couilles. Mais si vous voulez permettez, ça va prendre trop longtemps. Il mériterait un millier de coups pied dans les couilles, mais bon, voilà, je préfère le faire autre part. D'accord. Chop. Tu serais le gagnant ? Ouais, il a été brave. Il a même utilisé une bonne stratégie pour battre Panthérose. Ah bon ? De toute façon, vu que tous les candidats étaient éliminés et que Chop est le seul candidat qui est gagnant, je déclare officiellement que Chop est le gagnant du camp des défis extrêmes. Super ! Bravo, Chop ! Bravo ! Ouais, tu m'as franchement épaté ! Ouais, je savais que mon pote ferait de son mieux ! Oh ! Est-ce que tu pourrais donner de sanglier ? Quoi ? Oh, franchement, bravo, Chop, tu m'as franchement épaté. Mais je devais être là. En fait, j'étais là juste histoire pour essayer de sauver Franklin. Et ça, c'est un brave homme. Mon très cher Chop, désolé de dire ça, mais les 4 millions d'euros, en fait, c'est en fait du prune. Quoi ? En réalité, Dodd Jones les a dépensé tout l'argent. Et ce sont pas des argents qui n'appartiennent. Et en fait, il a volé les argents à tous les candidats, y compris dans Baldi Basique. Ouais. Et ben en fait, il y avait 1 million d'euros, mais malheureusement, il a été volé. En fait, ces 3 millions, ils appartenaient à Alexis Bliss, à Angélique ou bien encore à Fabien Hero. Mais vous savez quoi ? Je m'en fous royalement parce que les candidats généreux, ils peuvent se démerder. Parce que franchement, Alexa Bliss et Angélique et Farid Mario, ils peuvent aller se faire mettre. Je suis pas du genre à être grossier quoi que ça d'autre, mais voilà. Chop, mais bon, pour te consoler un peu, je vais te donner un souhait. Un souhait ? Ouais, un souhait seulement. Oh, fou ! Mais il est où, Panthère Rose ? Je lui ai tellement donné le coup de pied dans les couilles que je lui ai ventilisé jusqu'à le sommet du montagne. Waouh, à ce point ? Ouais, mais t'es qui toi, je te connais pas. Mais c'est moi qu'on se trouve. Oh, laisse tomber. Chop, c'est quoi ton désir? Mon désir, c'est que je souhaite avoir 21 millions d'euros. Quoi? Pour faire quoi? Pour partager à tous les candidats qui ont participé au jeu. Oh, tu penses vraiment? Et attendez, pourquoi pas moi? Désolé, Franklin, mais voilà, j'aimerais bien... C'est tentant que tu m'aides, mais voilà, j'aimerais penser aux candidats qui ont été torturés. Je sais, Franklin et Simba ont été torturés, mais... Peut-être que la prochaine fois, je pourrais y penser. Mais si tu veux, je pourrais aussi partager l'argent avec toi. Tu en es sûr? Ouais, absolument. Waouh, Chop, t'es vraiment quelqu'un de sympa. C'est pas... Franchement, t'es vraiment génial, Chop. Je suis content que tu aies gagné l'épreuve. Pareil pour moi. Dans ce cas, qu'il en soit ainsi. Je donne 21 millions d'euros pour Chop et il va devoir partager à tous les candidats qui ont été injustement maltraités durant toute l'émission. Tu penses vraiment, Chop ? Oui, exactement. Oh, merci beaucoup. Je vais pouvoir ouvrir une école. Ah, oh, super. Je sais pas qu'est-ce que je vais en faire, mais je sens que je vais me faire plaisir. Oh, merci, Chop. Merci. Oh, grâce à ça, je vais pouvoir m'acheter des tas de jeux Nintendo Switch et du jeu PlayStation 5. Oh, je vais pouvoir ouvrir une école de karaté. Super. Je suis trop content. Moi, je vais pouvoir acheter des tas de shampoings. Oh, sanglier. Quoi ? Oh, franchement, Chop, merci. Franchement, tu mérites beaucoup, c'est 1 million. Bon, très cher Grand Schtroumpf, tu as été franchement maltraité. Mais franchement, apparemment, tu dois être du Tipsy. Ouais? Eh ben, sache que je suis le plus puissant de tous les Tipsy. Oh? Fais-moi voir. Giga psychique! Je me sers comme des feux d'artifice. Wow! Oh oh! Tu m'épates! Comme dirait Paranoir X, c'est bon, mais ça sert à rien. Mais en tout cas, je sais pas, je vais pas me servir de giga psychique pour attaquer, hein. Sauf quand il s'agit des ennemis, hein. Enfin bref, Grand Schtroumpf,
Je te dis pardon de toutes les erreurs que Dodger t'a fait commettre, mais en espérant que tu ailles bien. Et pour la paix, je vais utiliser soin sur toi. Oh, je me sens mieux. Oh, super. Ainsi que toi, Zibba et Franklin. Et Chuck. Oh, je me sens mieux. Merci beaucoup, Jenny. T'es vraiment trop sympa. Ouais. En espérant que tu feras ton mieux pour que tu sois dans la prochaine émission. Et il y aura une prochaine émission? Ça, c'est top secret. Fruri, Sam, suivez-moi. Nous avons un projet à faire. Oui! Merci beaucoup, Jenny. Merci. Oh. Ah, super. Oh, il est mignon. Il est mignon. Oh, j'adore. Oh, je vais pouvoir voir une école pareille. Je vais prendre une manette et... Simba, je peux grimper sur ton dos. Pourquoi tu viens utiliser le soin? Ouais, mais après toutes les épreuves que j'ai commis... Ah, d'accord. Allez, c'est parti. Hé, Grand Schtroumpf, c'est quand le prochain Mario Maker? Je vais réfléchir. Mais il y a un petit truc que j'aurais jamais pensé à faire avant, mais je vais te le dire. En tout cas, Chuck, merci beaucoup d'avoir gagné le défi et de faire en sorte que Pantero soit éliminé. Et merci de m'avoir aidé, Franklin. On se reverra une prochaine fois. Ouais, une prochaine fois. Au revoir. Au revoir, Franklin. Au revoir. Au revoir. Bah, et nous, on n'est pas là que pour faire du figurant. On s'en va. Ouais, c'est clair. Ah, super. Ah, je suis franchement content. J'ai donné 250 000 chacun. Et j'ai 500 000 euros, mais je vais réfléchir à qu'est-ce que je vais en faire. Tu as des idées? Moi, j'ai un million. Je sais pas trop quoi en faire. Je pourrais peut-être donner à Finn. Oh, tu en es sûr? Ouais. Oh, merci beaucoup. Il a l'air super content. Hein. Bon, bah, qu'est-ce qu'on attend? On retourne à la maison. Oh, enfin, je vais pouvoir jouer à la Xbox Series. Quoi? C'est juste mon pasteur favori. Ouais, si tu veux. Ah, j'ai oublié de dire au revoir, Grand Schtroumpf. Oh oui, c'est vrai. C'est bon. Oh. Oh. Mayona. Oh. Ça a été franchement une très belle expérience. Un câlin? Ouais, un câlin. Ça aurait été mignon si ça aurait été un sanglier. À la ferme, Obélix. Oh. Au revoir, Mayona. J'espère pouvoir te revoir encore une fois, un jour ou l'autre. Ouais, moi aussi. Allez, Simba, on va retourner à l'Idéro. Une bonne fois pour toutes. C'est comme si c'était fait. Au revoir, Grand Schtroumpf. Au revoir, Simba. Au revoir, Franklin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'en présume. Bon, bah, tout est bien qui finit bien. Mais Jenny avait bien parlé du projet. C'est quoi comme genre de projet? J'en sais rien. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on fait, hein? Oui! Oui! Est-ce que c'était vraiment dispensable? Ouais, mais non, mais ça défoule. Oh, allez-vous, moi aussi, je l'aime! C'est la boîte à Franklin! J'ai envie de la revoir! Ah, la boîte à Franklin! Thank you.
magie. Voyons voir qu'est-ce qui est écrit. Cher la bande à Franklin, je sais que vous avez duré une période difficile, mais rassurez-vous, Chop a réussi à battre contre Panthère Rose. Oh, génial! Chop a gagné! Oh, génial! Il a mérité bien! C'est une grosse crotte de nez bien moulée et bien verte! Dinosaure violet! Code glace! Ça se fait pas! Bref, je continue. En ce qui concerne Grand Schtroumpf, Finn, Brindibou, ils sont sauvés. Il en va de même pour que Franklin et Simone aillent très bien. Bon, très bien. Et j'ai remis les pouvoirs à Grand Schtroumpf. Doc Dodgers aura de gros problèmes avec tout le mal qu'il a fait. Pas seulement à Grand Schtroumpf, Finn et Brindibou, mais aussi aux candidats de l'émission. Je vais mettre Doc Dodgers dans la cage pour tous les délits qu'il a fait. Donc il n'y a aucune inquiétude. Franklin et Simba vont ramener Grand Schtroumpf et Brindibou vers l'île des héros. Et je tiens à m'excuser à tous ces problèmes que vous avez endurés. Cela vaut aussi pour les candidats qui ont été torturés pendant des mois. Tout ça pour rien. Mais je me suis arrangé pour la récompense que Chop a gagnée. Je vous souhaite une très bonne journée et portez-vous bien. Signé, le directeur de Défi Extrême, Génie. Génie, hein? Est-ce que c'est un génie de l'intelligence? Eh ben toi, par contre, t'es tout le contraire. Ouais. Ah non, je sais, c'est le génie dans Aladdin. Bah, franchement, je pensais pas que le génie d'Aladdin ce serait le directeur de Défi Extrême. Moi non plus, mais par contre, ça fait plaisir. En vrai, je m'attendais beaucoup à ce que Chop gagne. Parce que, bon, je sais que, de mémoire, à l'Odyssée des Défis Extrêmes, c'était Zelda qui avait gagné et c'était face à Chop. Et là, maintenant, Chop a réussi à être de nouveau en finale et il a gagné. Bon, au moins une bonne chose de faite. Ça, je t'avais vraiment pas dire, hein. Maintenant, je me demande quelle serait dans ce cas la prochaine étape. Tant de questions. Et maintenant, pauvre Grand Schtroumpf, il doit vraiment souffrir quand même pour tout ce qu'il a vécu. D'ailleurs, je vais faire un truc. Quoi donc? Je vais commencer à préparer les factures. Des factures? Oui, parce que Dodo Jones a fait un énorme délit envers Grand Schtroumpf. Parce qu'il a osé se servir d'une personne âgée pour en venir à ses fins. Ce qui fait qu'en plus il l'a torturé. On l'a mis dans une espèce de chambre à gaz. Ça reste quand même de la violence quand même, d'un autre côté. Donc je vais préparer les factures. Elle est vraiment aussi sadique que ça. Ouais, seulement quand il s'agit du mal des autres, il veut vraiment protéger les autres. Hein. C'est sa faute d'être protectrice. Surtout si ça concerne Simba. Parce que... tu sais pourquoi. Ouais. Ok. Ah, ça y est. Facture 64 millions d'euros pour avoir torturé Grand Schtroumpf. Maintenant, je vais l'envoyer, mais... grâce au pouvoir du vent. C'est bon. Une bonne chose de faite. J'ai même mis ma petite signature, signée par Petit Fox. Tu vas bien sentir ta rage. Alors, Mimiki, comment c'était ta balade? Pas trop, vous devriez voir. C'était vraiment horrible. Quoi donc? Attends, j'espère que t'as un argument pour ça. Attends, quoi? Les moments les plus humiliants de Mickey, le souris pourri? Quoi? D'où? C'est quoi cette tête? Non, j'ai vraiment pas cette tête comme ça! Oh, qui a osé faire ça? Je vous devriez voir. Oh, je sens que je vais péter un câble. Qu'est-ce que je dois franchement y penser? Cette vidéo sera divisée en deux parties, la partie avant et la partie maintenant, pour mieux démontrer la honte ce que Mickey avait vécu avant, et c'était quand Mickey était un enfant. Attends, quoi? J'ai pas encore fini de lire, c'est dans trois bides. Et qu'il a été aussi débile comme le Mickey maintenant? Tu vas voir, je sens. Voici les moments humiliants du Mickey d'avant.
Oh. Qu'est-ce que... Pourquoi il y a un grand schtroumpf? Et que... Ça veut dire quoi, ce connerie? Et pourquoi il n'y a pas de Donald? Mais c'est pas ma queue, ça! Quoi? C'était... C'est sûr, cette vidéo est truquée! C'est vraiment ridicule! J'ai jamais vu une vidéo aussi nulle! Je me fais jamais victimiser comme ça! J'étais à l'école de magie quand même! J'ai pas été fait ces conneries! La ferme! C'est quoi ces conneries? Oh, oh, c'était vous, c'est vrai ça, patron? Mais non, c'est impossible, j'ai jamais fait une chose pareille. J'ai jamais eu ça! Vous avez été homosexuel avec Homer Simpson? C'est faux! Oh! Cette danse insupportable. Je me fais victimiser comme pas possible. C'est... Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Qui est ce gros porc? Mais quoi? Je ressens pas à ça. Ok, je peux avoir des gros muscles. Mais je... Moi, si quelqu'un me... Si quelqu'un m'aurait frappé là, par contre, je l'aurais vraiment dégommé sa gueule. Attends quoi? Maintenant, passe au moment humiliant de Mickey maintenant. Oh non, je vais pas apprécier ça. Et j'ai jamais... Quand j'ai fait ça? Ça me fait rire, toi. Tu veux peut-être que je t'en colle une? Quoi? J'ai... Combien font 1 plus 1? Bah ça fait 12. C'est... Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Eh bah c'est pas Jonathan. Je n'ai... Regardez ça, je vais peux... vous plante. Vive la photosynthèse. Je suis une plante? C'est ça? Vive. Me faire passer pour une plante? À quel moment ai-je fait ça? Mais que quand j'ai fait ça? De la bêtise humaine! Oh! Fin, alors qu'avez-vous pensé de la vidéo? Franchement, c'était génial! Dis merci à Panthère Rose pour la vidéo! Panthère Rose, il a perdu! C'est sa faute! Tout cela a été dans ce cas de sa faute! Si seulement je pouvais le voir tout de suite et maintenant je l'aurais dégommé! Oh, j'ai jamais mangé pas comme Mickey, t'es comme ça! Oh là là! Ah, je me suis tapé hein, de ces rires. Je crois que j'aurais perdu du poids à force de rire ainsi. Panthéro, la prochaine fois que je te vois là, là tu m'as fait ne serait-ce me rendre complètement fou dans le sens de la rage. Tu vas vraiment périr pour tous les crimes que tu as de faire. Ta bêtise va te coûter cher. Plus jamais je m'effacerai ça de ma mémoire.
Tu vas être garanti, Panthérose. Et t'as intérêt à rattraper ton erreur. J'ai plus envie maintenant de me montrer. Tchao.